Hey, bonjour les youtubeurs. Bah écoutez, j'espère que vous avez super la patate parce que moi j'ai une forme de gamin. Alors pourquoi une forme de gamin? Je vous explique ça tout de suite. Tout simplement parce que je vais débuter dans une nouvelle technique de pêche. Alors si vous vous rappelez bien, l'origine de mon blog et l'origine de YouTube, c'était de partager avec vous mes débuts, mes problèmes, mes emmerdes, mes réussites, mes machins, mes trucs. Vous avez vu qu'en quelques mois, quelques années, ça a pas mal évolué et que ça commence à être pas mal sur quelques techniques. Mais quand je suis au point sur les techniques, j'ai juste envie d'aller en découvrir d'autres. Alors, la nouvelle technique, elle est un petit peu à la mode, j'en conviens, et je sais que beaucoup d'entre vous commencent à pêcher là-dessus. J'ai tout simplement envie de me mettre à la pêche au Ténia. Pour diversifier, pour occuper les étals, entre deux pêches de bar, entre deux pêches de lieu, et puis aussi parce qu'un petit concours s'approche pour moi et que j'ai besoin d'avoir des techniques un petit peu multi-espèces et que je pense que celle-ci va bien compléter les leurs souples que j'utilise très souvent. La vidéo du jour, elle va pas être super longue, c'est tout simplement que je viens d'acheter mon nouveau matériel pour la pêche au Ténia, une canne moulinée quelques leurres, et j'ai juste envie de vous présenter ça, notamment pour vous aider, vous débutants, à trouver le bon matos sans y mettre des fortunes, pour pouvoir commencer sur cette technique et puis se faire plaisir et faire du poisson. Allez, je vous présente tout. La canne, je voulais pas y mettre un gros budget, mais là je suis sur une canne Daiwa, la Legalis. Donc vraiment une super canne, petit budget, vous êtes en dessous de 60 €. Alors les particularités de cette canne, c'est quoi? C'est que vous avez un blanc qui a une grosse réserve de puissance, qui vous permet aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on pêche au Ténia, au Madaï, vous avez vu qu'on y pêche très souvent, on peut aussi tomber sur du gros poisson, que ce soit simplement des beaux turbos, des belles raies, ou du bar ou du lieu. Donc il faut de la réserve de puissance, et là en l'occurrence, c'est la Legacy 802 ml, et c'est une canne donc de 2,40 m, qui est une puissance de 10,46 g, donc de quoi quand même tenir de beaux poissons, sachant qu'on est en pêche en verticale, donc on pourra plomber un petit peu plus haut. Alors, la particularité de cette canne, c'est quoi? C'est tout simplement son sion. Voilà, j'essaie de vous montrer ça correctement. Voilà le sion. Vous voyez que le sion, il a cette particularité. Il est hyper souple. Je vais vous montrer ça en situation avec des leurres sur une prochaine vidéo. Mais vous verrez que là, ça permet d'avoir vraiment une détection des touches très, très, très précise. Un tout petit poids là-dessus, et tout simplement, regardez, voilà comment je peux replier le sion. Donc là, n'importe quelle petite touche, vous allez la détecter tout de suite, parce qu'on sait que tous les poissons, notamment tous les sparidés, hein, dorades, ici, c'est que de la dorade grise, mais c'est vrai aussi pour les autres dorades, donc quand même des touches qui peuvent être vraiment très, très sensibles et qu'il faut détecter. C'est la particularité de cette canne, d'avoir ce sion qui permet de détecter très facilement les touches. Alors pour cet ensemble, j'ai choisi, sur les conseils de Valentin, chez Action Pêche, un petit moulinet Teclon. Je ne voulais pas non plus y mettre des sommes folles. Donc là, on est sur 100 €. Je vous rappelle que la canne, on était à peu près à 50-60 €. Un petit moulinet 2500 Teclon, c'est le Spin Max, qui suffit largement pour pouvoir entamer cette pêche. Dedans, donc un, on remplit bien la bobine. Et là, on est sur de la tresse en 10 centièmes, ce qui est largement suffisant pour le type de poisson qu'on va utiliser. Et c'est de la tresse colorée tous les 10 mètres, avec des marques tous les mètres. Ça, c'est hyper important parce que vous allez pouvoir vraiment très précisément voir où vous en êtes par rapport au fond. Je crois que ça, c'est vraiment un des secrets de cette pêche, parce que c'est quand même une pêche qui se réalise globalement sur le fond. Donc voilà le petit ensemble qui va me permettre de débuter et de faire de belles pêches. Alors maintenant les leurres, vous en avez deux à utiliser sur cette canne. Un que vous connaissez bien parce que je l'utilise très très souvent, c'est le Salty Rubber de Duel, donc c'est du Madaï. Donc il a imite un céphalopode, donc vous allez pouvoir pêcher de nombreuses sortes de poissons. Je vous ai déjà fait un tuto sur le sujet, mais vraiment c'est un leurre au top. Donc un Madaï Salty, là c'est le Salty Rubber, donc là je suis sur des petits grammages puisqu'ici on est sur des petites profondeurs. Et puis et voilà, vous allez en trouver de toutes les formes énormément. Donc un Ténia qui lui va plutôt avoir comme but d'imiter la crevette et le bouquet. Je vous montrerai sur un prochain tuto comment on éche parfaitement un bouquet là-dessus. Mais voilà, donc ça permettra de écher le bouquet, d'avoir un assist hook qui viendra aussi dans le bouquet, et c'est
3-4 petites lanières ont juste occasion d'imiter les petites pattes du bouquet et de rendre cet appât assez, assez naturel et donc pêchant. Donc voilà les copains, je voulais absolument vous présenter ce matériel, commencer par là. Alors il y aura une petite série de vidéos, je vais vous faire un petit tuto très rapide sur comment écher le bouquet sur un ténia. Et puis on vous fera un petit tuto en mer, même si vous avez déjà vu quelques vidéos aujourd'hui, notamment de mon ami Stéphane, qui m'a un petit peu initié à la pêche au ténia dernièrement. Je vous montrerai comment on opère en technique de pêche, en animation, en ferrage, et quel type de poisson on peut prendre avec ces techniques, qui est vraiment une technique intéressante, si ce n'est la technique la plus intéressante si vous voulez opérer sur du multi-espèce. En tout cas, j'espère que ça va pouvoir vous aider. Donc les amis, je vous dis boujou. À très bientôt. Vous n'hésitez pas à me poser tous vos commentaires. Je suis sûr que vous avez pas mal de questions parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont en train de débuter au ténia. Donc dans les commentaires, je répondrai à chacun d'entre vous. On me laisse le petit pouce bleu tout simplement parce que j'adore ça. Et on se dit à très très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao, bougez les copains.